biological objects do not give up, but it is temporary. Very soon we will tear out the core of the planet. They will not be able to stop us. They must be destroyed. We must replenish resources and return here to strike a retaliatory blow. They must be destroyed. Be destroyed. Biological objects do not give up, but it is temporary. Very soon we will tear out the core of the planet. They will not be able to stop us. They must be destroyed. Detective.
must replenish resources and return here to strike a retaliatory blow. They must be destroyed. Be destroyed. Biological objects do not give up, but it is temporary. Very soon we will tear out the core of the planet. They will not be able to stop us. They must be destroyed. We must replenish resources and return here to strike a retaliatory blow. They must be destroyed. Be destroyed. Biological objects do not give up, but it is temporary. Very soon we will tear out the core of the planet. They will not be able to stop us. They must be destroyed.
Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va voir si tout est ok à niveau son. Mon gosse est là, le casque est là, Discord est là, parfait. Ok, tout est bon. Début du live à 21h. Personne sur le stream, une seule personne sur le Discord. On recommence tout doucement, mais on va attendre tranquillement que tout le monde arrive. Hein. J'espère quand même qu'ils vont arriver. J'ai pas eu de réponse. Sur le Discord, mais je suppose. Hop, excusez-moi pour ce petit screamer. Je suppose qu'ils vont arriver. Je suis actuellement en entraînement, faire d'entraînement en jeu libre. Voilà. En attendant qu'il puisse le chat, personne sur le chat. Hop. Hop là. Hop. J'ai l'air fatigué, FIFA, hein, émotionnellement épuisé. Toujours pas de Tutti, une seule mention honorable. Je crois que j'ai plus de 183 packs ouverts chez moi et plus de 150 ouverts chez ma copine. Une seule mention honorable chez elle. Vraiment pas cool, ils auraient pu au moins mettre taux plus haut. Ils demandent beaucoup de trucs, beaucoup de crédits pour des gros packs, mais ils laissent pas la chance à tout le monde d'en avoir quoi. Hop. Hop. Ah, Théo vient de d'arriver. On va aller tout doucement sur le Discord. Souhaitez la bienvenue à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Comment va Théo? Alors, attends, parce qu'il faut que je règle le son, parce que sur Twitch, je t'entends super bien, mais alors sur Discord, waouh. Voilà. Ok, c'est drôle. C'est bon. Hop, hop. Mais tu feras gaffe, on t'entend respirer. Oui, ça je peux rien changer. Parce que le micro est juste à côté. Peut-être un peu le diminuer, comme ça on entendra moins ma respiration. Hop là, voilà. Ça ira mieux peut-être comme ça. Hop. J'ai regardé le dernier épisode de One Piece. Ah ouais. Et il est cool, mais surtout la fin, parce que voir Bonjour Momonosuke Manon. faire n'importe quoi. Salut Manon. Voir Momonosuke faire n'importe quoi, c'est un peu lassant. Tu conviendras que je ne répondrai pas à ça parce que je connais la suite. Oui, enfin là il a chargé sur Kaido, hein, je te rassure. Hein. Mais je t'avoue que à partir du moment où il met 1 heure et demie à vouloir s'envoler et 1 heure et demie à vouloir s'arrêter, c'est un peu casse-couille. Je peux comprendre. Tu passes la moitié de l'épisode en train d'attendre que Momonosuke arrête de faire le con. Et 2 minutes à kiffer. Et bonsoir Tilks. Bonjour, bonsoir. Et bonsoir. Je crée la partie. J'ai créé la partie. J'ai déjà créé la partie, j'ai déjà mis un code. Ça sortait pas, ça arrivait pas, j'attendais. Une heure et demie. Sur Europe toujours, Mika. Quoi? Sur Europe toujours? Oui, bien sûr. Ah
Eh ben, on est beaucoup ce soir. Oui, mais moi, je ne reste pas longtemps. Je fais acte de présence. C'est lui, Xeno. J'ai demandé à Krios s'il venait. Il m'a dit oui, probablement. Donc, normalement, il vient. Thomas et tout. Thomas, j'en sais rien. Je l'ai pas vu la journée. Il doit dormir. Enfin, je l'ai vu, mais personne n'était là encore. Il était 5h30. Voire avant. Salut tout le monde. Salut Xeno. Salut Xeno. Yo. Salut. Et bonsoir, Malgad. Et bonsoir, Jade. La personne qui est en train de taper. Ah, Krios. Krios. Et comment ça va? Ça va bien, Krios, et toi, Krios? Fais coucou de Rosa, et Krios. J'ai entendu le wesh alors. Wesh alors. Wesh alors. Je passerai pas trop longtemps ce soir. Ok. Pas de soucis. J'ai ouais, rendez-vous à 7h30. Je vais partir vers 10h30. Moi je pars à 10h. C'est énorme. Voilà. On vous attend et on pourra lancer. Hein. Yep. Il manque le gag. On est 9. Krios, j'ai regardé le dernier épisode de One Piece du coup. Alors? Bah visuellement c'est très beau hein, c'est sûr, mais voir pendant 3 heures Momonosuke apprendre à voler et taper tous les murs... Tu vas peut-être spoil pour certains qui n'ont pas vu, ça je crois que Mika il est en live. Non, moi je m'en fous, je suis un joueur. Hein. Même de tu parlais donc de One Piece, les autres, pour One Piece donc, Ah non mais la fin. À la fin. La fin, comme j'ai dit, la fin est très très cool là. Elle est incroyable. Ah là oui, j'avoue que la fin est vraiment cool. Par contre, alors ou c'est moi qui ai pas fait attention au moment des scans, mais j'ai l'impression qu'ils ont rajouté pas mal d'infos et d'éléments dans l'anime qu'il n'y a pas dans le scan. Oui. J'ai pas lu les scans donc je pourrais pas te dire. Après il y a pas énormément d'infos si ce n'est le passé de Yamato. Non, bah, je peux pas vraiment dire, mais il y a plein de choses pour lesquelles je me suis dit putain, mais où j'ai oublié plein de choses. Pas dans les scènes, il y a plein d'infos sur lesquelles je me rappelle pas que c'était comme ça, quoi. Plein de choses. La scène du miam. Oh, mais plein de détails, plein de petits trucs. C'est. Ouais, bah après, ils font du remplissage. Ouais, mais là, c'est des éléments assez importants quand même. Hein. C'est pas que il y a du remplissage et il y a des éléments importants. Tu peux lancer Mika. Hein. 2 minutes, j'arrive. On en parlera. Ouais. Ouais. Après, dans les grosses licences comme ça, c'est pas étonnant qu'il y ait du filler de temps en temps. Hein. Mais là, il n'y a pas de filler en fait. L'épisode, il est canon. Tout l'épisode est canon. Ouais, non, mais c'est plein d'infos qu'on a et que j'ai pas souvenir de les avoir lues dans les scans en fait. Donc, c'est pour ça. Alors, soit j'ai complètement oublié les scans, mais autant d'infos. Importante. Je vois pas quelle info tu trouves importante, mais tu le diras après. Est-ce que les paramètres de la game comme ceci vous conviennent ou pas? Oui, sinon on râlera après. Pourquoi pas 100% ange gardien? Voilà, merci. Parce que j'ai pas eu le temps de changer, tu me laisses finir d'abord. Mais le mec il demande si les paramètres sont ok, et quand je lui dis qu'il y a un truc qui va pas, il me gueule dessus là. Ça a l'air bien. Ça va. Bon allez Mika. Allez, un pot avec moi et je vais ruiner la game. Okay. Non, je vais être un poteur, c'est ma première game. Si t'as un pot, arrête de faire ça. Ouais, mais t'as le son des Xeno d'habitude. Voilà, tu vois, t'as parlé, t'as puni. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Il était un pot. C'est pas grave, Xeno, c'est probablement qu'on a laissé la game trop longtemps. Ça arrive souvent avec ce type. Ouais. À tous les coups, il était un pot. Ouais. C'est pas grave. C'est sûr. Ah, les impôts vont gagner vite là. Bah, du coup, je ne sais pas ce que j'ai fait. Non.
Tu as les impôts, tu tout de suite et qu'on reporte pas les corps, comme ça la game va plus vite. Mais. Vas-y, tu es déjà. Mais. Non. On reste en vocal ou... Oui, oui, parce que. Ouais, tu peux être mieux si tu veux. Je demande aux impôts de tuer vite, comme ça on va relancer un game pour récupérer Xeno. Parce que là, c'est deux impôts contre SAD, donc ça va aller vite. Bah, si se trouve, Xeno est un pot et. Je sais pas. Je pourrais même pas vous dire ce que j'étais, j'ai même pas eu le temps de voir. Je sais plus ce que j'ai mis. Il y a que deux pour pas dire un mot et pour... Dit-il alors que j'étais en train de parler avec toi. Ouais. T'as tué Manon à gauche, je le sais, t'étais avec elle, puis tu réapparais tout seul. J'ai tué personne sauf à la fin où c'est moi qui ai fait le dernier. Ah ou c'est alors, le petit qui a fait les deux. Tu peux revenir, ouais, Xeno. C'est tout le kill s'il m'a tué dans le bourse. J'ai pas pu parce que... Bah, Je viens de revenir. Le seul moment où j'étais tout seul et qu'il y avait quelqu'un d'autre, c'était Mika, sauf que il a fui au moment où j'allais le tuer. Ah, on peut pas les bonnes habitudes. Ah, je vois ça. Mais je suis sous morphine, donc va falloir se calmer avec moi. Tix, j'espère que t'as bien kiffé ta seule game imposteur de la soirée. Ouais, c'était super. Parce que soit maintenant tu vas te faire permavoter, soit tu vas pas rejouer. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Allez, Mika, relance la game. Antidouleur. D'Adam. Ok, on est parti. Ah. Mais t'as un panneau d'affichage sur la tête. Tu prends ça pour... Pour pas en chier. Gad. Cause de la douleur. Putain, mais... Pourquoi elle est bonne? Putain, Xeno. Ah non, putain. Faut redémarrer ton jeu, Xeno. Ouais, je vais redémarrer. Mon jeu, il veut pas, là. Allez, on commence. Ouais, jouer normalement, hein. C'est à cause de la neige de Paulus, ça, Xeno. Ouais. Théo ? Oui ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, un panel de Discord ? C'est pas différents channels Discord ? Non, sinon on dirait un channel Discord. Non, je sais pas ce que ça veut dire, un panel Discord. C'est bizarre. Peut-être que c'est un channel et qu'il a que le truc a fait. C'est vrai que j'ai pas installé ça, mais on m'avait demandé que mettre la bannière, mais c'est pas grave. J'irai m'expliquer avec Diabla. Ouais. Tant pis, j'irai voir ça. Ah, je l'ai compris. Faut du temps, mais j'ai compris. Non, le cadavre de Rixo est à labo au-dessus à droite. J'ai vu Mika, il m'a vu quitter le labo, mais j'ai juste ouvert la porte et puis je me suis dit, tiens, la caméra s'est allumée puis éteinte. Et déjà tout à l'heure, elle s'est juste allumée puis éteinte. Ouais, c'était moi, je c'était suis allé directement cam. Aux caméras en me disant, ça se trouve, le gars il est mort sur les caméras. Il y a Yves qui est parti de Elec, de cam de Elec, je ne sais pas où il est allé après. Je suis allé à Weapon, je suis allé directement à Weapon, c'est ça. J'ai pas vu aller en bas sur les cams. Et Malga, tu viens d'où avant d'arriver aux deux? Avant d'arriver aux deux, j'étais en haut, après tu m'as croisé au cam, si tu te souviens. Et après moi j'étais labo, j'avais fait, tu sais la première salle de laboratory, c'est le panel où tu dois trouver la même température. Ouais. Elle. Voilà. Normalement après... Et bah ça marche. Je sais si pas où j'ai pas de bêtises, t'avais ASDTIL avec toi qui était allé au cam avec toi. Non. Après Alec, t'es allé où? En bas, aux deux. Ok, d'accord. On va passer au cam. C'est pas style. Le corps est où? Non, justement, c'est ce que je dis. Le cadavre est où? Le cadavre est labo d'après Mika. Où exactement labo, Mika? Près du télescope.
Patrios, c'est pas tu. En vrai, sur Tekil, c'est. Je pense pas que ce soit Mika. Donc c'est Malgal. Malgal et Krios. Bah non. Non, Krios, c'est pas Krios. Je peux être sûr. Je peux être sûr. Je pense pas. Je pense pas parce que je l'ai vu au moment où je remettais les lights. Donc Tekil a été fait light. Mika, tu penses que ça peut être Manon ou pas? Manon, je peux croiser moi. Ça peut. Mais mais j'ai plus, la pression que c'est un kill labo vent. La beauté qui Vincent? Ou l'imposteur. Ok, je vous donne un indice, avant de mourir j'étais vivant. Bien joué. Mais les gars, vous êtes sérieux là? Vous dites pas pour qui on va? J'ai pas d'infos, donc je vote celui qui est le plus dangereux pour moi. Voilà. Oh, bah, mais pourquoi? Bah, c'est gratuit ça. Non mais je vais faire un truc, je pense. J'ai pas d'info, que... je suis désolé. Mais Manon, ça m'étonnerait que ce soit elle. Il est au cam. Bah, je vais changer mon pseudo, je vais changer ma voix. Enfin, comme si on se connaissait pas. Allez, pour déconner, celle-là. On attend que Xeno revienne. Allez, pour déconner, celle-là. Tranquille. Déjà, sans déconner, déjà c'était compliqué. Vous avez fini? Bon, maintenant on peut voter Manon. Comme ça on est sûr. C'est pas moi qui l'ai tué, promis. C'est pas grave, dans le pire des cas, on recommence vite. Je sens bien un Malga Vincent ou Malga Krios. Malga Mika. Yes. Et vous mettez ce qui se passe là? Je pense qu'il y a Malga dans l'affaire. Ou alors c'est Manon, mais. Déjà, il n'y a eu qu'un seul kill qui a été fait. Hein. Ah bah. Si vous êtes sûr que c'est Malga dans l'affaire, pourquoi c'est moi qui vous mettez? Moi, j'ai jamais incriminé Malga. Hein. Pas alors, j'aurais pu être plus parce que j'étais là-bas. Donc, je peux le comprendre que ça peut être. Laissez finir ma quête. Je préviens, j'ai trop de quêtes, je ferai pas les quêtes. Non, mais c'est. En même temps, t'es fait sortir gratuitement. Ouvrir les portes. Ça. Allez, moi je. Vincent était admin, moi j'étais admin, Malgad et Taposteur, on va finir, voilà. Comment ça? C'est quoi cette dénonciation? C'est même pas une phrase, ça. En fait, c'est ça, c'est que moi je tourne dans admin pour ouvrir les portes parce que les portes se ferment partout et Vincent il restait tout le temps Vital, si je le vois à travers le mur, son pseudo qui dépasse. Mais ouais, le truc que la game m'a saoulé, c'est que le deuxième imposteur est en train de fermer toutes les portes et fermer toute ma technique que je voulais faire. Alors, dites pas, c'est les cas, fait ça. Je m'ennuie. Tu sais, je me dis, moi je vais tuer. Jamais un pot. Comment tu veux que je sache comment on joue un pot? Je croise Mika, j'appuie sur Z et c'est pas du tout le bon truc, quoi. Quand t'es mort, faut pas toucher les sabotages. Voilà comment on joue. Parce que je me dis, tiens, je vais faire ça. Ah bah tiens, les portes sont fermées. Ah bah tiens, les portes sont fermées. Merci pour le vote de la tueur.
Bah, ce que j'ai voté, Manon. Mais... C'était le seul de la soirée. Ouais, j'ai voté Malgar. Tu peux revenir, Xeno. Ouais, mais t'avais raison. En fait. Okay. C'est moi qui l'ai tué. Hein. C'est moi qui l'ai tué. Hein. Je voyais pas Manon faire ça, mais. J'étais tellement seulement, comment. En fait, c'est que Malgar, je l'ai vu arriver d'un côté. Pas repris dans ce laboratoire. Comment, Manon. Il est arrivé de droite, quand même. J'ai rien à voir avec le mur. Ouais, je sais, je sais. C'est bon, ça va marcher là, aussi. En fait, c'est que Manon, ses enfants sont bizarres. Oui, mais... Ça se trouve, elle a vu le kill, mais... Non, j'ai pas vu le kill. Ah, le problème, c'est qu'elle a jamais dit précisément où elle était, tu vois. Non, mais en fait, j'ai le don pour que quand je sois crewmate, la première personne que je croise, c'est un peu ça. Moi, j'ai le don que... Moi, j'ai le don quand je suis imposteur, je stresse des gants. D'ailleurs, je peux même encore être plus précis. J'ai le don de me faire voter plus quand je suis crewmate que quand je suis imposteur. Ouais, après, t'es plus souvent crewmate qu'imposteur. Bah, après, en fait, quand je suis imposteur... Si on vote à toutes les games aussi, voilà, quoi. En fait, quand je suis impo, je vote toi, parce que c'est toi à chaque fois qui devine à chaque fois que je suis impo, donc ça me saoule à chaque fois que j'essaie de t'éliminer. Ouais, tu es dans ce cas-là. Oublie ça. Bah là t'étais... Là, oublie. Alex Zeno, n'y crois. Arrête de courir aussi là. J'ai testé une partie publique, ça a marché. Kilt, je pense que tu peux te présenter en tant que président. Ah, bah voilà. Président d'Among Us. Non, juste président. T'es au 2, il a 3 secondes. Là, c'est moi. J'y suis au 2. T'es avec quelqu'un ? Y'avait moi au 2. C'est qui, moi ? Krios, pardon. Krios. Ok, Krios, Manon, Xeno, Tilx et moi, on est safe, c'est Mika qui fait le kill. Bah, j'étais avec vous. Hein. Moi, j'ai juste une victoire. Oui, c'est ce que je dis. C'est Mika qui a fait le kill. Bah, voilà. Ah, j'avais pas entendu mon pseudo, du coup. Voilà. Le problème en fait, c'est que Manon, Malga, Tilx et moi, on était au même endroit. Il est au com. Ios et Xeno sont ensemble. Il est au com. Ah ouais. Juste en dessous. Ouais. Xeno, il est au cam là normalement, si j'ai pas de bêtises. Ouais, mais au moment du kill. Xeno, il est à O2. Au moment du kill, il y a 2 mecs O2 et 4 mecs à côté de... Enfin, 3 mecs à côté de moi. Bon. Je crois que... Tant pis, hein. Tu me défends pas, tout le monde a déjà voté, tant pis. On sait que t'as pas de chance, je crois. J'ai eu un autre souci. Y'a pas de soucis, y'a pas grave. Votez Papy Malgad. What? Parce qu'il dit qu'à chaque fois il vote pour moi et c'est la vote pour moi. Non, là non, mais non, mais. Vous abusez toi quand même. Non, ça refonctionne. Ah, tant pis, ça arrive.
vient de retrouver Tix mort en bas pendant que je regarde. Il est mort il y a moins de 10 secondes. Ouais, il y a moins de 10 secondes. Je peux juste dire qu'il est mort il y a moins de 10 secondes. Oui, il est mort il y a un instant. En fait, la personne a eu le temps de kill et après partir. Donc vous êtes où ? Il est mort où exactement ? Il est mort en dessous de O2. D'accord. Okay. Là, actuellement, moi, je suis dans la radio. Okay. Actuellement, je suis à Weapon depuis le début du round, moi, quasi. Parce que j'ai dû faire le téléchargement et je suis à ma dernière astéroïde. Et le kill est pas très loin de toi, ok ? Les autres ? Je l'ai pas dépassé. D'ailleurs, je prends juste les infos. Voilà. Je sais que c'est pas toi, ça m'étonnerait que ce soit toi. Je sais qui c'est, moi. Et Xeno, c'est qui ? Xeno, non, mais c'est ça. C'est pas Xeno, c'est pas Xeno, c'est pas Manon, c'est pas Cri. Je veux tout savoir. C'est Malgadon. Qui a fait un demi-tour bizarre à la game précédente. Parce que j'ai eu peur de toi, surtout. Ça, je vais te le dire. Bah, tu as eu peur de moi en me suivant. Bah, ouais, dire quelqu'un qui arrive comme ça, etc. Oui, j'ai peur que tu me chasses, honnêtement. Non. En fait, c'est que t'as... On s'est croisés, t'as fait un demi-tour, deux pas derrière moi pour commencer à me suivre. Non, mais le problème, c'est que t'as report un peu trop vite, en fait. Bah, c'est un peu de temps. Surtout que j'ai eu un putain de papinière, putain de merde. Merde, c'est dommage. Pardon, papy, petit souci de manette quand j'ai kill, j'ai pas pu me. Bah, c'est qu'en fait, je l'ai vu. Ouais, j'ai vu Tilx mourir et sur report direct. Je suis à côté de Vincent. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais. J'ai dit, j'ai eu un papinière. Désolé, papy, j'ai eu un petit souci manette. Manette, répondez plus. Mais t'inquiète. T'inquiète, c'est pas de soucis. Juste moi j'ai fait une connerie aussi. Hein, donc Hop. Tu vas te voir tes messages dans le chat. De l'eau. Je vais te voir tes messages dans le chat. Je t'ai même pas vu. Mais je voulais pas report, je voulais pas kill, j'ai fait putain, qu'est-ce que je fous, j'ai voulu kill Théo et me barrer et m'a lâché alors que je suis sur le corps de je sais pas pourquoi, dès que ça a bugué, dès que t'as fermé les portes, tu m'as fermé dessus, je sais pas pourquoi ça a bugué. NP, c'est pas grave. C'est Ok, là, Manon est mort dans le couloir des lights. Le couloir des lights, vers où ? Elle est morte il y a un moment. En haut ou pour aller à O2 À la porte. Il y a un moment, combien de temps des lights dans le couloir où il y a les casiers, là où il y a le... Je suis passé à Vitals il y a 10-15 secondes avant de vous croiser, partir à l'alerte, elle était déjà morte.
Quand vous me croisez, je suis en ouais, mais le problème. Quand il y a eu l'alerte, on était avec Xeno et Manon. Manon est partie vers en haut, j'ai fait câble. La première. Elle m'a suivi couloir de O2. Et puis ensuite, elle est remontée. J'ai vu remonter quand toi t'es rentré dans l'arbre. Après, moi je suis parti. J'allais en direction de réacteur. J'étais admin, j'avais quelques pauses 10 secondes avant le report à peu près. Vous étiez où 10 secondes avant le report? Juste 10 secondes avant le report, tu étais au weapon. Entre radio et weapon. Normalement, t'as dû voir un point entre les deux. J'étais admin. C'était moi le bureau. J'étais à Chauffry. T'étais à Chauffry? Ouais. Ok, j'ai vu un point Chauffry, j'ai vu deux points au deux aussi. Oui, il y avait Xeno avec moi. Xeno avec moi, et il y en avait un autre. On a vu un point radio weapon ou pas? Je me rappelle plus. Par contre, je me rappelle s'il y avait un point sur la droite aussi. C'est moi, j'étais labo. Ouais, c'est mal gars. Vu, okay. comme je l'ai okay. dit, X, il y avait Xeno et moi à O2. Ok, et Cryo chauffé. Quel est Cryo qui du coup était chauffé? Mika, t'étais où toi? Je crois que j'ai croisé Cryo sans en partant. Rexo, t'es complètement en train de mentir. Là, je suis parti. Là, je croisé, mais j'étais peut-être vite. Non, moi je l'ai croisé quand je suis rentré. Dans les portes, ok. en vrai, je pense pas déjà que ce soit Malga. Parce qu'il était à droite. Mm-hmm. Ouais, Malga est safe. Toi et Mika, vous êtes safe. Je pense pas que ça soit Mika du coup. Non, c'est pas Mika. C'est pas Mika, c'est pas toi, c'est pas Malga. Sûr. Et après, c'est... Ah non, Xeno il report. Xeno report. À Elec et O2, il y avait pas mal de monde à ce moment-là. Quoi. Ah, ça peut être, soit toi Cryo, soit le Rixo. Mais après, moi j'irais. En vrai. Désolé Vincent, mais. Je me rappelle plus avoir .com et weapon en fait. En fait, c'est que je suis rentré, je suis sorti direct. T'as peut-être pas dû voir le point, mais j'y étais. C'est abusé. Quand je suis sorti de O2, il y avait beaucoup de monde entre com et weapon. J'ai vu plein de personnes. Tu veux dire? Depuis tout à l'heure, je veux dire que au moment où je suis arrivé O2, j'ai croisé Tilx qui était en train de faire la quête pour vider les poubelles. Je suis allé là où on fait les bonbonnes, puis ensuite je suis allé à la chaufferie. Et là, à ce moment-là, Tilx, t'as vu disparaître, donc je suppose que t'es allé par le bas et t'es allé admin, si je comprends bien. Ouais, je suis allé admin. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai croisé Xeno à la chaufferie. J'ai regardé les pauses vite fait avant, j'ai été sur Vitals, j'ai vu Manon mort. La chaufferie, mais selon Mika, elle était morte depuis très très longtemps. Donc très longtemps non plus, pas non plus, mais elle était moins heureusement depuis 10-15 secondes, certes. Malgade. Malgade, j'ai rien expliqué, c'est où la chaufferie? Non, au Krios, pardon. Mika, on est d'accord que tu m'as croisé à gauche d'admin. Oui, c'est la chaufferie. Qui c'est qui a dit que j'étais à la chaufferie? J'ai croisé Théo aussi. Mmh. T'as croisé à la chaufferie? Mika, on s'est croisé quand? Moi non, j'étais absolument pas à la chaufferie. Mika, on s'est croisé quand? Attends, j'ai croisé quelqu'un d'autre. On s'est croisé. J'ai vu Tilx avant, juste avant. J'ai vu quelqu'un d'autre avec moi à la chaufferie. Juste avant l'alerte. Il y avait Mika à la chaufferie. Avant l'alerte, j'étais à O2. J'étais pas chaufferie, mais j'étais à O2. Je te réponds, Théo, parce que je laissais finir. Si, pardon, non, deux secondes, s'il vous plaît. Quand je vais, suis admin, que je vois Manon qui est mort, il y a l'alerte qui se lance. Je suis à gauche, j'admin. Je vois Théo et Vincent en même temps, ensemble, qui remontent faire l'alerte. Hein? Non, je suis pas remonté, moi je suis monté dans méta. C'était pas moi, c'était un méta. Je suis pas allé à Vital, je suis pas allé à admin. C'est moi qui suis rentré admin. Et j'étais tout seul. Il y avait Théo derrière toi, j'ai vu du rose derrière toi. Ou alors j'ai complètement fabulé. Ouais. Mais... D'accord, tu l'as vu et moi je l'ai pas vu. C'est un méta, parce que j'étais pas là-bas. Hein. J'y vais un peu diminuer l'étage peut-être. Mais ouais non, Xeno tu faisais la bonbonne, pas de bêtises. Ouais. Ouais c'est ça, c'est à ce moment-là. Ouais, t'es vu à ce moment-là. Mais c'est pas chaufferie ça. Ah si, la bonbonne d'eau elle est à chaufferie. La bonbonne d'eau elle est à chaufferie. C'est la bonbonne d'eau. La bonbonne d'eau c'est la seule chaufferie. Ah, la bonbonne d'eau, pas la bonbonne d'oxygène. D'accord.
Quelqu'un était admin ? Oui. Il y a genre 6 secondes ? Oui. Oui. Est-ce que t'as pas vu un move genre c'est Elec ? Quand je... Plus Elec quand et nulle part ? Je suis désolé, mais c'est d'être un qui quand je pro admin, le seul poids que je vois c'est moi, tout le monde est pump. Putain, je crois que j'ai vu un mec vent. Et, la seule pose que je connais, c'est Tils qui arrive spécimen par le bas. Et qui est dans le sas, mais je ne vois pas de poids qui me montrait spécimen, tu vois. Mais ça peut pas être lui, puisqu'il sort de cesse. Dans le couloir, c'est pour il ça. Dans le couloir, là. Donc c'est pour ça que... J'ai le seum. Cryo, c'était turbo safe, il a fait ses vannes. Par contre, je crois pas que ce soit mal gars, il revenait encore de labo. Mais en fait, j'ai vu un mec vent. Ça dépend. Il est en traduit au weapon. Non, ça peut être malgad. Ça peut être malgad, 100%. Non, parce que j'ai vu un mec vent. J'ai vu un mec vent, sécurité. Non, mon cher Vincent, tu ne peux pas avoir. Le kill ne peut pas être récent. Parce qu'avant des attaques sur admin, je suis sur Vitals, sur Kyrios, est mort depuis un moment. Je dis pas que le kill est récent, je dis juste que j'ai vu un mec vent. J'ai vu un mec vent, sécurité. En fait, quand je sors de labo. Attends, deux secondes, j'ai fini malgad. Quand je sors de labo, vers la gauche, je croise malgad qui revient de storage. Et qui revient du bas vers le storage, donc qui peut être passé par radio et par weapons. Et j'arrive à admin, Kryos est mort. Je check pas admin, je cherche, on sait jamais qui soit storage parce que je pensais que malgad l'avait peut-être tué dans storage. Il n'y a pas de corps dans storage, je reviens admin, Kryos est toujours mort, il y a l'alerte qui se met. Du coup, moi je commence à aller admin et là je vais sur admin, il n'y a personne sur la table d'admin, il n'y a pas de poids sauf moi. Et donc, et là je croise. Ce n'est pas malgad. D'accord. Parce que le kill, je suis. Technique, hein. Je rentre sécurité, je vois un mec vent. Mm-hmm. J'ai des infos si jamais. Hein. Donc je pense que le tueur est resté près de la zone de Radio Weapon. Du coup, est... Valet de la Mort, tout ça. Xeno et puis Théo. Et le problème, c'est que je suis rentré sécurité, j'ai vu un mec vent, j'ai été calme, j'ai vu Malga sortir de labo. Et je pense pas que. Du coup, c'est pas lui. Vas-y, Théo. Les infos, du coup. J'ai le timing exact du kill, si jamais, et Xeno était admin à ce moment-là. C'est avant l'alerte, vous comptez à peu près 8 secondes avant l'alerte. Ouais, donc il a 18 ou 20 secondes, quoi. Ah, ouais, non, rien à... Bah ouais, mais est-ce que le tueur peut pas rester proche? Parce que vraiment, il y a un mec à vent. Bah, à moins que ce soit... Peut-être qu'il y avait les deux et qu'il cherchait à faire un double kill, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, c'est ouais, pas Xeno était admin. Je vois le kill sur les Vitals, je descends, je le vois sortir d'admin. Il y a l'alerte et... Oui, je confirme ce que Théo dit parce que moi au tout début j'ai fini mes quêtes de la bauche avec Xeno, il est parti spécimen suivi de Tils juste après. Je pense que Tils, Théo et Xeno sont safe sur le kill pour moi. C'est ça mon problème. Parce que Xeno et Tils, ils sont spécimen et ils sont pas sortis de spécimen. Hein ? Xeno est pas spécimen. Xeno il a été spécimen avant toi, Tils. Il est sorti d'admin il n'y a pas longtemps, il y a un moment. Mais il a été celui qui était avant toi, c'était Xeno. Tu te souviens quand on s'est croisé là-bas, Tils? On s'est croisé là-bas tous les deux, il y avait quelqu'un dans le sas, c'était Xeno qui descendait spécimen. Bah moi en vrai ouais, je vois très bien Vincent. Bah si tu veux. Je suis assez d'accord mais bon. Bah... Moi j'hésite entre Vincent et le Rixo en vrai. Bah oui, c'est normal. Ah oui.
Je pense pas que ce soit le Rixo, il aurait pas donné des infos aussi précises avec des vitals, je pense qu'il est... Il est ah, c'est vrai que moi je lui donne pas d'infos précises. Mais que Vassar report self-report comme ça, ça m'étonnerait aussi, je suis un peu perdu, je t'avoue. Mais pour moi, ça m'a fait un peu pour nous. Je vais dire honnêtement, là je suis perdu parce que pour moi, tous les 5, à part tous les 4, à part Malgat, vous êtes tous safe. Pour moi, c'est Malgat le plus suspect. Ouais, oui. Bah, pour moi aussi. Vas-y Malgat, vas-y, t'as pas Alors, vous savez de la première alerte qu'on a eue là, qu'on est revenu du round? Oui. J'ai vu tout le monde aller vers la lettre, sauf une personne qui est venue avec moi. Qui c'est le noir avec le Ouais, c'est moi, ouais. Moi, je fais jamais les alertes à part le light. Ouais, moi non plus. Par contre, ça me paraît très suspect, parce que ça veut dire qu'en fait, il lui aura peut-être tué en... Ah non, il ne fait pas les alertes et moi non plus. Non, je fais que les lights. Moi, je suis le pré-shot light et c'est tout. Ouais, je voterais bien Malgat, du coup. Mais votez pour moi, il n'y a pas de soucis. Ah bah, on vote Vincent. Malgat a fait l'alerte. Il n'y a pas de soucis. Moi, j'ai un gros problème, c'est que tous les 5, vous m'avez l'air trop safe. C'est ça le problème. Tous les 5, vous m'avez l'air safe. Moi, j'ai voté Malgat, je préviens. Non, je vote Malgat aussi. Moi, j'esquive parce que j'en sais rien du tout. De toute façon, on peut toujours prendre. Compliqué le chat cette game, tout le monde a l'air safe. Et qui c'est qui est sorti? Je l'ai pas vu. C'est Vincent. C'est Vincent. Merci, Mickaël. Ouf, j'ai tendu. Je suis désolé, hein, mais du coup, moi, je vois très bien. Qu'on avait raison, du coup. Là, je suis pas sûr, moi. Bah, il y aurait eu les alertes, sinon. Il aurait self-report. Mika, vote pour moi, et on verra en fin de partie. Tu penses non, moi, en vrai, je voterais pas pour Malgat, là. Moi, je vais te dire, j'ai deux soupçons sur juste deux personnes. Sur Xeno et sur Lorixo. Ouais, moi j'ai une question à poser. Non, mais c'est normal qu'il nous soupçonne, étant donné que je save Xeno sur le fait que c'est pas lui qui a écrit. Le problème en fait, le Rixo, c'est que j'ai zéro info sur toi. Et Xeno non plus. Mika, je sais qu'il est safe. Et Tic, je sens qu'il est safe. Voilà, je vais dire tout ce que je pense au niveau de la game. Après, vous votez pour moi, je peux comprendre parce que je suis tout seul depuis le début de la partie. Sans que je suis safe parce que t'es un poster, tu vois que mon pseudo est pas rouge. Bah, vote pour moi, t'auras pas l'air. En vrai, le call sur, t'es pas. Enfin, je pense que c'est toi, mais j'ai pas envie de voter pour toi parce que si on se trompe, la merde. Bah, moi je te dis tout simplement. Bah, en fait, pour moi c'était un duo Vincent Malga, le Rixo Xeno. Mais en vrai. Moi, c'est sûr, je pense qu'on est tous les deux imposteurs et on va te buter, tu sais. Voilà. Mais Mika, je sais. Alors, dans ce cas-là, si tu vas me buter, je vais te voter. Ça résonne tellement suffit, mais vas-y. Non, mais. Fais-toi plaisir, hein, écoute. Bah, c'est fait. Bon, Théo, je vais te poser une question. Est-ce que pendant la première réunion, c'est-à-dire T1, on est d'accord que Manon et moi, on est descendus, toi, t'étais au caméra? J'en sais rien. Non, moi je suis pas allé au cam. Enfin, si, quand vous êtes descendu à ce moment-là, j'étais au cam, je vous ai suivi genre dans les deux secondes après. Et après, t'as fait quoi? Je vais suivre mon astuce. Après, j'ai fait la quête O2, les bonbonnes d'eau. Ouais. J'ai fait l'arbre, j'étais avec Manon. Et il y a eu l'alerte, Manon est partie vers le haut et j'ai fait les câbles qu'il y a juste à côté. Et après, je suis descendu vers le bas. C'est bizarre parce que c'est moi qui reporte. Je suis parti du download de l'arbre. Je t'ai pas croisé du tout. Par contre, tu étais aux caméras et là où Manon était, le cadavre de Manon était, tu aurais dû voir le cadavre aux caméras. Mais non, il était passé. Moi, je t'ai pas croisé du tout. Il était. Ben moi, je t'ai clairement vu. Quand Manon nous a abandonné, tu montais dans l'arbre. Alors, oui, mais elle est morte après ça. Oui, bah bien après, oui, j'étais déjà au 2, hein, Xeno. Ok, c'est bon, c'est tout ce que je veux savoir. Je suis resté une demi-seconde sur les câbles. Vous êtes parti, je sais pas quand, c'est une façon. Mais j'ai vite fait check, genre j'ai spammé la flèche, j'ai vu personne, je suis parti. Tout simplement. Ok. Ça marche.
Je suis descendu en bas, je vous ai je t'ai pas vu tout de suite, j'ai fait ma quête, je suis allé avec Manon à l'arbre. Je suis descendu, à ce moment-là, quand Manon et moi on est descendu, t'es rentré, il y a eu l'alerte, Manon est parti vers le haut, j'ai fait mes câbles, t'as fait ton download, non, moi j'ai fait mes câbles. Au moment où j'ai fait mes câbles, je suis descendu, j'ai croisé Krios qui est rentré et je suis parti. Venom, c'est des crewmates, vote Malgadun. Mais votez pour moi, faites-vous plaisir, vous aurez pas l'air bête. Ouais, de toute façon, là, il faut voter quelqu'un. Parce que si. De toute façon, je dis soit c'est l'Orixos, soit c'est vous. Hein. C'est tout. Après, vous me jartez, vous me jartez. Ah, cette game, il y a trop de suspects et en même temps de save, ça va pas. Allez, j'ai la chef. C'est toi, Tilx. Ouais, c'est moi. Ok. C'est Tilx. On aurait bien volontiers skip, mais franchement. Oh là, au moins, on a un des deux. C'est sûr. Ça a quelque chose de fort. Il y a vous deux qui méritent un Oscar, je sais pas lequel des deux. Bah Théo. En vrai, j'ai eu de la pitié pour lui. Non, je parle entre Papy et Vincent. Partout. Ah, il est mort. J'allais justement aller au Vitalis. Mais il était mort où? Il est mort où, Mika? Mais on sait pas. Tu sais que ça buzz. Mais. Zeno, on est resté toute la game ensemble. Bien. En effet. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur le live. N'hésitez pas à venir nous rejoindre jouer si vous êtes nouveau et que vous venez d'arriver, que vous suffit d'avoir Discord et d'avoir plus de 15 ans. Merci à tous, fin de jeu. Vraiment que j'ai le niveau pour faire ça, moi. C'est dommage, à 2 secondes près, Xeno était mort. Bah ouais. Mais je te soupçonnais, Et tu sais quoi? Tu sais quoi, Xeno? Tout ce que j'ai dit, c'était quasiment toute la vérité. J'étais vraiment en haut 2 avec toi. Mais c'était bien Vincent. Ça fait, je sais pas, mais c'est toi qui a tué Manon. Vincent qui a fait le kill. J'ai tué Manon, mais. Vincent, t'as sale freeport. Mika, ne lance pas tout de suite avant de jouer. Ah, il a je sentais le sale freeport. Personne m'a écouté. Bah, si, on l'a voté techniquement. Alerte. Toujours attendre un peu avant de faire un sale freeport. Au cas où, s'il y a quelqu'un au Vitol, tu peux pas te permettre de report instant. Allez, Vincent, il s'est joué. Mika, regarde. Ouais, c'est ça qui t'a fait self-report d'ailleurs. Ouais. Mais tu sais que. Au début, quand il m'a tué, j'ai cru que c'était un métamorphe qui m'avait tué parce que sur le coup, j'ai fait tout le long, il est à côté de moi et d'un coup, je sais pas ce qu'il lui a pris, son couteau a glissé. Ouais, fallait que je tue quelqu'un. C'est vrai. C'était une possibilité. Pour le kill de Krios, sache que t'es passé à côté, tu l'as pas report.
Genre, de ton point de vue, normalement, on pouvait voir le cadavre quand il y a eu l'alerte et qu'on est sortis tous les deux. De ton point de vue, on pouvait voir le cadavre. Tu l'as... Il était mort où? Il était mort où? Devant l'école. Il était mort où? Devant l'école. Ah, non, devant la porte de la radio. Oui, et Dils, moi je suis mort. Je suis mort sur la table d'admin juste en dessous de vous. Tu es passé à côté de mon corps. C'est Crio, c'est wow. Pas mais Crio, c'est pas ce qui m'a choqué, c'est que il m'a tué. Puis il y en a un qui est passé et il m'a paré porte. Donc j'ai vu que c'était Théo justement. Bah ouais. Xeno. Puis ensuite il y a Xeno qui est passé. Il y a tout le monde qui est passé. Personne m'a riporte. J'ai fait ah bah d'accord. Ouais, moi je t'ai vu, mais j'avais pas de riporte. J'avais un alibi. Moi je suis orange, c'est pas pour rien. Ah mais attends. Mais Krios, ma couleur. Tu n'es plus, bah, tu es plus mon Adam. Tu veux orange? Ah, bah attends, je change. Voilà. Krios, tu veux orange? Orange, jaune, jaune, ça me va très bien, c'est ma couleur. Oh, je commence à fatiguer. Est-ce que, alors, est-ce que tout le monde est bon là? Ouais. Manon aussi? Non, RP. Et regarde, t'as vu Mika, j'ai mon ami. On laisse Manon prendre. On est prêt? Chill un peu, laissez jouer Manon. Tu m'as mets dans un petit coin, c'est ça? Manon, pourquoi ton ami c'est un pou? C'est pas un pou, c'est une pierre! Montre-moi ton buisson. Ça ressemble à un pou. Une pierre! Oui. Allô? Je vous entends plus. C'est pas de fou. Rockfall. Non, c'est bien ce que je pensais. J'étais admin. Je vois qu'il y a deux corps, enfin il y a deux personnes à radio. Du coup, je check les vitals, je vois qu'il y a un mort. Je me dirige vers radio. On se croise. Je vois Mika qui rendra admin. Ouais, je revenais d'ouvrir vers les portes de à gauche après avoir fait tout le tour d'admin. Je suis resté admin toute la game. J'ai fait plein d'admin. Ah je ok peux ok. Ça explique. Du coup, je sors, je vais à radio et je vois le cadavre de Vincent. Du coup, c'est Mika. Il est... Non. Ah, quoi? Mais pourquoi? Bah, tu viens de là-bas. J'étais sur admin à droite, je suis sorti par la droite. Il y a Manon et moi à Vitals, dans la salle de Vitals. Je suis sorti par la droite, j'étais aux alertes. Non, je me suis dit que c'est peut-être pas une bonne idée. Je suis revenu Pampa par la gauche et je suis même pas allé vers Radiocom. Je suis ouvert la porte à gauche d'admin, je t'ai croisé sortir d'admin, je retourne à ma place d'admin. J'ai fait toute la game
admin vitals. Non, ça tient pas. Et le seul moment, et le seul moment où je l'ai quitté, ça l'alerte et j'ai vu qu'il y avait des gens, du coup je suis repassé vers le bas. Passé par la droite parce que je t'ai bien vu sur. Moi j'ai une question, pour Mika. Attends, moi. J'ai pas fini. Vas-y. S'il te plaît, je te vois bien passer par la gauche, Mika, donc non, t'es pas passé par la droite. Non, j'étais à la droite quand il y a eu l'alerte, t'es passé par la gauche. Je suis sorti quand vous étiez pas. Je te vois, Mika, tu es sur mon écran, je te vois descendre. Je vais admin, il y a deux personnes à radio à ce moment-là. Je remonte, tu passes par la droite. Par la gauche, pardon. Mais oui, quand on s'est croisé, quand je suis rentré par la gauche, mais avant j'ai sorti par la droite et j'étais pas en bas. Mika, tu vas une radio, ne me la fais pas. T'as vu une personne radio, c'est pas moi, j'ai pas été radio de la game, tu vois. C'est facile de dire ça. Non, j'ai pas vu une personne à radio, j'ai vu deux personnes à radio, dont le cadavre. Tu voulais me poser une question, Tips. On a vu un truc bizarre au début de game. Oui, j'ai vu un truc bizarre au début de game. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi le truc bizarre? Que t'as fait avec les clés pendant que j'étais en train de faire ma quête à gauche. Et ouais. Que la seule personne qui t'a suivi, c'était Xedo. Xedo, t'as quelque chose à dire ou pas? Je vais voler, voilà. J'ai trouvé ça très drôle. Pourquoi parce que tu pas peux pas t'en empêcher. Je voulais voir si Mika il balançait son bait. Ouais, t'as vu, il a tout en fait. Là, il l'a fait, hein. Donc, on a les deux, voilà, Mika gagne. Hein. Ah ouais, pour attaquer. Parce que, attends, j'ai rien compris. Moi non plus. J'ai rien compris à votre truc. J'ai pas fait les clés. J'ai pas fait de clés. Mika l'a vu parce qu'il me le confirme. Ah. Et il m'a suivi en bas. Mika, il voulait tuer. Il voulait me tuer parce qu'il avait vu que j'avais vu Xeno faire la clé alors que... Oh ouais, je vous dis que vous faites une connerie même. J'avais pas la tâche des clés, mais bon. Bah pourquoi t'es venu sur les clés? Mais parce que tu fake tout le temps et qu'il y en a qui aiment bien s'amuser à venir avec toi et dès qu'on vient dans le jeu, tu les... Ah, il le défend d'un coup, défend. Non, parce que je le fais aussi. C'est évident. Je te dis, je suis même imposteur là avec Xeno que je le dirais même si j'étais... Tu dirais si t'étais imposteur là avec Xeno? Je sais pas ce qu'on va prendre. C'est pas grave. C'était une game avec filet, je pense. Pas de chance. Moi je suis pas sûr vraiment. Pas de chance, j'étais. Je sais pas ma soirée. Ouais, désolé, je veux vite finir la partie pour en lancer une autre. Est-ce qu'on peut voter Xenomorph, s'il vous plaît? Mais je suis même pas sûr que ce soit... Si. Ah, super. Ouais, désolé, mais... Ouais. Malheureusement, ton mate, là, il t'a balancé. Merci de votre confiance. Mais la partie ne se finit pas, ça compte tant qu'on vote. Hein. Vas-y. Après, j'accepte. Voilà. Ah, ouais, pas besoin de me faire voter. Très bien, écoutez, j'ai strictement rien fait. Mais j'ai vraiment rien fait. Mais ton mate. T'as suivi Tils pour la blague et il s'appuie tout le temps sur ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en plus, j'ai même pas fait. Ouais, mais. Il a même pas fait. Mais tout pour la blague ou pas, c'est qu'on avait raison. Bah oui, mais ça fait des raisons, mais toujours. Le jour où vous allez avoir tort, parce que là, tu sais quoi, moi même quand il n'y a pas les clés, je vais aller à droite avec Tils tout le temps, c'est n'importe parce quoi. Que si vous... Parce que si vous faites bien gaffe, je le fais des fois, même quand j'ai pas de tasse. Il y a un peu ça toutes les games, quoi. Le jour où vous aurez tort, mais pour l'instant, on n'a pas eu tort. C'est pas grave. Je fais une lasse vite fait. Okay. Bah désolé Mika, mais j'ai pas... j'ai rien de particulier. Xeno, ça fait deux fois que je kill et que je croise quelqu'un juste après, j'ai pas de chance. Ah ok, enfin, j'ai pas vu. Ouais, j'ai tué tranquille à Combs et je croise Théo juste après. Je me dis, même si je ferme les portes, j'aurais pas le temps de le suivre. J'étais mort. Ouais. J'ai pas eu de chance. Ah, peut-être que j'ai fake. J'ai fait les clés. Et là, je suis possible s'il y a 4 imposteurs, c'est ça? Je sais pas si je suis si tu ton raisonnement. Non, mais ça, c'est un truc qui marche, c'est un one shot. Heureusement. Ouais, ça marche quand c'est moi, c'est ça?
Pendant le Simon, je vous déteste. Petite question. Ah non, j'aurais dit. Non, non, ça va. On a trouvé le cadavre de Xeno au niveau de caméra avec Krios. Il est ultra récent. Oui, il va juste de se faire. Je pense. Il a 4 secondes. Ah, ouais, j'arrête là. C'est pas Manon. Et c'est pas Krios aussi. On vient d'arriver au. C'est pas Steele, je crois, qui était sur les Vitals. Non, je rentre côté gauche vers Admin. Non, c'est Steele, c'est alors qui était sur les Vitals, donc c'est pas lui. Alors, Rixo, t'es où? Pendant les lights, j'étais à Chauffry. Là, je me suis sorti, je suis devant Chauffry. Mika, t'es où? Spécimen sur mon ciment, il me restait plus qu'une seule fois à le faire. Comme par hasard, j'ai l'impression que c'est armé. C'est là aussi, hein. Hop. Il semble avoir vu un point spécimen juste avant. Non, je peux même dire que l'ordre de mes points spécimen c'est 8, 9, 5, 4. Il me restait plus qu'une fois à le faire. Et juste avant, j'ai fait les artefacts juste avant. Mais en gros, le plus proche là sur skill c'est le Rixo. Ouais. Ou Krios et Mold. Qui sont. De toute façon, oui, c'est simple. Soit c'est. Enfin non, il y a eu qu'un kill. Là-dessus, je réfléchis un peu. Il y a eu qu'un kill. Si c'était moi qui avais fait le kill, j'aurais pas dit que j'étais à Chauffry. Là, si, parce qu'il est sur admin, il t'aurait vu le poids ou pas. Si t'as. Si, non, parce que moi je suis Pampa. Hein. Forcément, ouais, mais après, si tu dis Pampa, en vrai. Oui, mais j'ai suspecté. Hein. Là, vraiment, je suis devant. Après, ça peut être Vincent aussi. Hein. Ça peut être Vincent là, aussi. Là, je me dis. Oh, bien, tout la round. Ah, si vous voulez, je vais faire mon download à Weapon en sortant. Laisse-moi un peu tranquille, s'il te plaît. Jorginho qui passe. Effectivement, ça peut être malgré Krios, mais je pense pas. Ouais. Ouais, pourquoi ils auraient. Après, on est 7, donc on peut pas voter. Moi, je te vote toi pour l'accusation. Si c'était les deux. si c'était les deux, ils auraient pas report. Mais si c'est que l'un des deux, alors l'autre. Je vais avoir 3 votes, hein, Vincent, à cause de toi. On est sorti de labo, on est allé jusqu'à Elec et on est allé à Sécu et c'est là où on a trouvé le cadavre. Tu vois, s'il y a 4 personnes censées, ils peuvent skip. Ouais, sauf que. On va tilt, c'est ça? Oui. Ok. T'as cru que je t'allais voter, moi? Moi, je suis pas comme ça, je réfléchis, moi. Bah ouais, qui t'a voté, ça mais. Je sais pas qui t'a voté, mais moi, j'ai skip. Ah ouais? Ouais. Ça prouve que le Rixo est un peu peur, en vrai. Bah pourquoi? Parce que. Bah t'aurais non, été crewmate, même pour la vote, tu m'aurais voté. C'est moi qui t'ai non, voté. Non, parce que justement, je pensais que tout le monde allait te voter, donc je voulais pas que tu meurs. C'est moi qui t'ai voté. Et oui, réfléchis. C'est moi qui t'ai voté. Oui, réfléchis. N'accuse pas Théo, c'est moi qui l'ai fait. Non mais justement, c'est parce que je ne l'ai pas voté qu'il m'accuse. Donc si je l'aurais voté, il m'aurait accusé. Si je l'aurais pas voté, il m'aurait accusé, tu vois. Quel cercle vicieux. Un dernier mot. Ça chibouli d'Anna, Mugi, voilà. Oh le bat. Joao Cosello. Une dernière volonté.
It's Aaron ou... Oh, je vais le dire. Oh putain. Juste il y a un double kill à O2. C'est qui est pour la dernière droite? Moi et Manon. Théo, on est d'accord? C'était moi la première. Quoi? On est innocents tous les deux? Innocents tous les deux. J'ai vu sortir de. Je vous ai vu sortir de spécimen. Ouais, mais il y a en gros. Quand tu prends la table d'ennemi. Que Till s'est mort juste avant la lettre. Tu as vu le double kill avant de partir non, faire non, la... Et ce n'était pas un double kill. Il y a eu admin, quand je prends admin après toi, à Chaufferie, là où il y a les corps, il y a eu trois personnes qui bougeaient toujours à Chaufferie. Et j'ai vu le double kill quasiment se faire sur Vitals, donc le double kill off de Chaufferie. Non, c'était un kill séparé, mais au même endroit en fait. Parce que quand moi je regarde Vitals, s'il vous plaît, il y a Till qui est mort, je descends admin. D'abord je regarde Vitals, il n'y a personne, je fais les cartes, puis je retourne sur Vitals. Là, Till est mort, je vais admin. Je croise Vincent, je regarde admin, il y a deux points à O2, je me dis. Le kill doit être à O2. Là, tu sors au moment où je partais. Mm-hmm. T'as bien vu. Du coup, j'ai essayé de te faire signe. Oui. J'ai vu. J'ai été voir. Écoute. Il m'a croisé. J'ai été voir les Vitals juste après que tu m'aies fait signe là. Tu vois. Et quand je tombe la table d'admin, il y a troisième point qui rentre Chaufferie qui s'en va. Donc, il a vu les corps. Il n'y a pas report. Il s'est barré. C'est moi je vote Manon. Fait Malgane. Non, je rigole. Tu votes pour moi. Je pense que Tils et Malgane étaient à Chaufferie. Tils est mort pendant que Malgane était en train de faire ses roues. Le deuxième. Ça peut pas être la même personne à toi, ça. Non, il y a trop de cooldown. Malgane aurait pu sortir. Je vais me défendre. Vas-y, Manon. Je pense que c'est Manon. Vas-y, Manon. Alors, je suis capable de dire exactement. Quand il s'est mort alors que j'étais pas sur les Vitals. Moi je voterai Krios et en premier pour être sûr. Et je pense que le deuxième c'est Vincent. Ah bon. Vincent il était à admin quand j'ai vu. J'étais avec Malgade justement au niveau de la cloche Chaufferie. Il y a eu l'alerte et j'ai commencé à me barrer pour aller justement à droite. Pour moi Krios c'est certain. Till c'était mort à ce moment-là c'est toi. Pour moi Krios c'est certain. Mais justement, je sais que c'était pas Malgade et j'étais en train de voir si... Eh mais du coup, par contre, Krios était avec Manon sur l'alerte de droite. Till, c'est vraiment juste au-dessus de Malgade, hein. Donc si tu vois pas Till quand tu sors de Malgade... Tu vois le corps de Till, mais j'avais pas. J'avais pas fait attention, bah il y a eu l'alerte et c'est vrai que j'ai complètement oublié. Manon, elle se claim médecin, hein, elle se claim... Déjà, Krios c'était un imposteur, parce qu'on... Oui, ça c'était quasiment sûr, c'est le seul qu'on a pas de truc. Et je pense que tu c'était un et scientifique. Que Manon est scientifique. Non, Tils. Ah.
C'est pas buzz, mais... Ah non, tu m'as sauvé plutôt. Non, toujours pas de mort. Non, non, mais oui, mais c'est normal. Alors, Krios... Elle est admin, mec. Qui est-ce qui est admin? Bah, d'après toi. Bah non. Moi. Oui. C'est pour ça que je veux pas. Bah, évidemment que je suis admin. Bon, j'ai train de... Une chose qui est quasiment sûre, c'est Manon, que t'étais vous... admin là, là, à l'instant là. Là, à l'instant, oui, oui. J'étais admin. Je suis où? Spécimen. Non, il y a et, alors, le principe de quand je demande à Manon, c'est que Manon qui va répondre. Mais ouais, mais là, tu caches tout là. J'ai envie de te voter en fait. J'ai envie de te voter, de faire gagner Manon. Ah bon? Hein? Bah oui, bah oui, j'ai envie. Mais parce que tu ruines pas les plans des autres comme ça en fait. On dit pardon, Théo. Excusez-moi, respectons l'orientation. C'est juste que Théo essaye au maximum de me faire voter, moi. Ben non, non, si c'est je pas voulais Théo, faire voter toi, je te poserais une question fatidique qui ferait que, que je serais persuadé que c'est toi. Mika, t'as voté qui? Manon. Ouais, je sais. Bah bon, bonne game, les gars. Bah, si c'est Vincent, on va. Moi, exactement quand on est mort et... Je buterai Vincent, c'est pas grave. Voilà. Maintenant on peut jouer. Non, je rigole. C'est bon, les femmes sont parties. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Manon, c'était pour rire. Je pensais vraiment que c'était toi. Ah non, c'est juste qu'il y a un putain d'ange gardien de merde. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, j'avais oublié ce truc. Merci Xenomorph, du coup. Bien joué Xenomorph. Ça m'avait trop rire. En premier. Vincent, à un moment donné, Vincent il me dit quoi? Il me dit des derniers mots. Et là, je descends vers la vente, je vente, je me barre. Il fait le bâtard. J'étais sur une piste après, mais je sais pas où t'as parti. Année, tu as pourri, t'as pourri notre plan. Pourquoi t'as tué Malgan? C'était mon protecteur. De rien au fait. Hein. Non, je suis rien de rien parce que franchement, Malgan, j'ai rien vu. Mais non, c'est pas que j'ai rien vu. En fait, je voyais Tilix au-dessus, mort. Je me suis dit, bah, je vais fumer. J'étais en RP, RP à Droyer. Il me protégeait justement, Nick. Manon, t'es toujours sur le live ou pas? Si je t'ai vexé et que j'ai pas été gentil, je voulais pas dire d'être méchant, c'était pour rigoler, je m'excuse si t'es là. Je suis désolé. Au tour 1, quand t'es. Ah non, moi j'ai essayé de tuer personne, moi. Anapo, on fait un peu Mira ou Scale, ça vous dit? On n'était pas, censé 12 là. Normalement, il y a des gens qui viennent, mais bon, une fois, ils étaient pas là. Ça arrive, hein, les ouais, gens. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui disent on vient, et qu'au final, ils viennent pas là. Même désert. C'est ça que moi je dis rien, tu vois. Vous voulez faire des games publics pour la déconne? Non. Bonne soirée. je vais aller cuire ma morphine dans mon lit tout seul si tu fais ça. Je fatigue donc dépêchez-vous de. Vas-y, vas-y. Ouais. Ah, mais je suis dégoûté, je voulais contrôle avec Malga dans cette game. J'ai mis pas... The Scald avec un poster, ça va ça. Bah, j'ai vu qu'il y a un moyen de prévenir en même temps. Vas-y, vas-y. J'ai essayé de courir dans la gauche à droite en disant non. J'ai pas fait bien, moi je le voyais. C'est ah, mort. Des barres de rire si c'est moi. Hein. Oh, c'est pas moi, yes. Xeno. Comment je déteste être imposteur sur Scale.
infâme. Voilà, mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de map plus horrible que ça quand même. Si, il y a Mira et Airship. Vous voulez faire Airship à Mira, c'est plus facile en vrai. On peut faire Mira après. C'est... Mira, comme il y a des veines qui vont partir, il y a moyen de te save. Comme, c'est une bonne idée. Sur Mira, comme il y a des. Comme la viande, ça se relie tout, genre il y a moyen que t'ailles à un endroit. Que ça soit crédible en fait. Sur cette map, tourne en rond. Donc, 100% de chance que on puisse se retrouver. Il y avait un mec shield au moment où les lights se sont coupés, c'était qui? Shield, radio ou un truc comme ça? C'était Krios. Oui, c'est moi. Oui, shield, radio, c'est moi. Comment tu sais ça? Mais parce qu'on est trois, les glacs avec Zeno. On est à et trois. Tils. Au moment où les lights se coupent? Ah non, pas au moment où les lights se coupent, non. J'étais à navigation au moment où les lights se coupent. Je suis à Elec depuis au moment où les lights se coupent. Je me dirigeais vers Elec aussi. C'était mes deux dernières. C'est bonjour, ça, petit biscuit. Attends, et après, je quand suis je suis redescendu pour les refaire, il y avait Mika qui était dessus avec Zeno. Ouais. Je confirme. Et il me reste plus que deux caps, moi j'ai fini mes caps. Et je sais pas d'où il venait par contre. Moi? Il nous le corps. Attends, du coup. J'étais le premier à Elec, moi. Sur les lights, oui, mais non, parce que j'étais au-dessus, moi. Ah, d'accord. Moi, ça, t'étais au-dessus. T'étais j'étais en train de faire les quêtes, quoi. Mika était en premier au niveau des... J'étais sur mes quêtes, j'allais pas arrêter... Ah d'accord, oui mais c'est logique parce que et je suis redescendu après. Vu qu'il y a les lights, je le vois pas, donc c'est possible qu'ils viennent d'en haut, je vais pas faire attention parce que j'étais en train de trop faire les lights moi. Bah s'ils viennent d'en haut, c'est lui hein. Mais tu m'as vu hein, normalement si t'es sur Amine, t'as tout le temps vu un point Elec hein. Ah non non, j'ai surtout vu un point infirmerie, un point sécurité. J'ai jamais été infirmerie, j'ai jamais été infirmerie. En plus, attends, mais. Tix, il vient d'en bas. En plus, Vincent, quand. Tix, vient d'en bas. Bah, c'est toi que c'est nous alors. Vincent, Vincent. Quand t'es allé à la trash storage, tu m'as vu aller à Elec. Ouais, ouais, c'est possible. J'étais en fait, j'ai vu. J'ai vu aller à la trash. Il y a une veine d'infirmerie à sécurité. Mais du coup. Oui, oui, bah oui. C'est Xenon alors. Il est où, Krios? Ah, moi je sais pas, je suis passé par en bas. Krios il était à droite apparemment. C'est pour ça que je l'ai vu les chicks. Je suis actuellement dans le couloir entre bouclier, radio et... C'est toi de ce côté là? Ok. Ouais, et c'est probable parce que sur Amine j'ai vu un point shield, genre soit après, shield, on a pas radio ou cargo. Si si, je l'ai, je l'ai. Mais tu l'as? Il est mort. Ouais, ouais je l'ai, j'ai. Le kill est mort sécurité. Il a 10 secondes même pas, okay. Le temps que j'ai quoi. Ouais, c'est, je Xeno et Mika ils viennent d'où avant Elec, vous venez d'où Xeno et Mika? Dans Mika je pense. J'étais à moteur, j'étais en route pour moteur supérieur. Je m'en suis douté. Non, ça c'est pas vrai. Je m'en suis douté que c'était assez pété, les cams se sont coupés justement quand je suis sorti de navigation. Oui. Mais par contre, il n'y a jamais personne qui passe moteur supérieur. Pas aller du tout à droite, quoi. À gauche. J'ai fait droite au début. J'étais avec Mika au weapon. Après, j'ai fait nav. Je suis redescendu à bouclier. J'étais croisé aller à la trash. Je suis allé à Elec. Et ça reporte.
Je skip, mais je pense que c'est Xeno. Ah ouais, bah votez, hein. Ah non, je skip, j'ai dit je skip. Ok, alors je suis mort entre le début de la game et la fin de la game. Ah, c'est vrai. Ça m'a vu. J'espère que ça peut vous aider au niveau de la game. J'aurais dû le dire avant, on aurait trouvé tout de suite. Mais je voulais pas spoil direct, tu vois, je voulais que... Ah ouais, tiens, c'est vrai, t'as bien fait, merci. Pour voter Théorixo, quoi. Ouais, j'avoue, j'ai trop. J'ai le droit à un petit bisou d'un... en vote, c'est pas mal. C'est moi. J'avais envie de t'en donner un. C'est Tiggs, vous pouvez voter. Je l'ai vu sur les cams. Non, mais t'es déguisé en Xeno, je cherche pas, Cryos est avec moi au cam. Et je vais te croiser Xeno, puis toi déguisé en Xeno, donc c'est toi. Et t'es rentré dans admin pour t'es rentré admin 10 secondes, t'es pas rentré pour faire une tâche, t'es rentré pour regarder la table d'admin, voir qui était tout seul, pour aller le tuer pour te transformer. Regardez cette map de merde. Voilà. Je me disais bien que ton comportement sous les cams, il était bizarre. Il est pas rentré admin pour check admin, il est rentré admin pour me fumer ma race. Je regardais pas les cams et j'ai essayé d'avertir justement Mika qui avait eu un kill et qu'il fallait aller le chercher. Déjà t'es parti chercher. C'est pour ça que je bougeais à gauche à droite dans tous les sens. Quand j'ai vu la cam à lui, j'ai fait merde. Donc t'as bien vent, on est d'accord. Ah bah ouais. Mais j'étais pas sûr en fait. Pour dire que j'étais bien moteur supérieur. J'étais bien avec au début, j'ai fait mes quêtes entre parenthèses. J'ai Venge, j'ai tué le Rixo. Tu peux venir. Je te jure, j'ai pas vu de point en moteur supérieur, c'est pour ça que tu m'as fait douter. On est 7, j'ai mis les tâches au maximum, je nous ai mis sur Mira. Et ou sur Skeld, ou comme vous voulez, sur Polus. Deux apos. Deux impôts à 7 ou. Deux apos à 7 Mira. Deux impôts à 7. Peut-être que je sois pas encore info de la première game. Soit deux impôts. Descends cooldown déjà. Soit deux impôts. C'est impossible. Soit deux apos, hein. Soit deux apos Mira. Ah non, y'en a qu'un, ok. Soit deux apos Mira avec un gros cooldown. Soit un apos Mira avec un très petit cooldown, genre 15 secondes. Oui, bah oui. 3 secondes aussi. Sure. Je le mets à 20 pour tester un Mira. Est-ce qu'on m'entend en fait? Oui, on t'entend. Ouais, oui, on t'entend. On t'entend pas. Ouais, putain, c'est mire. C'est pas une façon d'accueillir les nouveaux, enfin. Vous êtes tous partis ensemble, le dernier est parti avant moi et a tué T-Biscuit au lieu du spawn. Alors, si le dernier est parti avant toi, alors c'est pas le dernier, c'est toi le dernier. Du coup, le dernier, c'est con, un peu con. Quand vous êtes tous partis, le dernier qui est parti dans votre groupe, puisque je suis resté pour répondre à un message en gauche, a tué T-Biscuit. Voilà, c'est plus clair moi que je ça. Moi je pense que je suis parti en avant-dernier, j'ai laissé Vincent derrière moi. Il bougeait pas. Et
Déjà c'est pas Tilex, il était devant moi donc T'as pas fait ça Vincent quand même. J'ai pas fait quoi? T'as battu Tibiscuit. Tu veux Tibiscuit? Non. Tu me convaincs pas du tout dans ta voix. Tu m'as convaincu. Je suis convaincu. Mais pourquoi t'as fait ça? Non. Moi? Non, c'est pas moi. T'as remarqué au moins que j'étais pas parti? J'ai remarqué que plutôt que j'étais un peu sur son mur et que ça me casse les couilles. Ah, j'ai pas pu utiliser mon pouvoir. Oh non, il a fait une petite biscuit, genre j'en ai marre, je veux pas être à peau. Oh, surtout pas sur mur, quoi. Oh bah voilà, Thierry, il manque plus que toi. Pour voter qui là, Tix? Ouais. Non, ben c'est... J'ai quand même pris un son voix. Oh putain, l'enfoiré. C'est probablement Cléo, Vincent. Oh le troll. Je vais t'appuyer X. Oh là là, quelle surprise, on a gagné. Allez, on relance. PDG Céleste. Bon, mettez deux impôts, hein, si c'est pour que ça se passe. Le mec, comme il ça. Peut pas jouer avec les sensors, alors il veut oh, pas. Oh non, non. Non, c'est juste que Mira, j'aime pas ça. Sinon, on va sur Paulus, hein, si vous voulez. Non, non, non. J'ai même pu utiliser l'ingénieur. C'est broken, l'ingénieur sur le mirage, je peux aller n'importe où. C'est pour ça que vous voulez l'utiliser. J'ai pas oui, pris. Tu veux pas. Ah oui, en plus que j'ai laissé l'ingénieur à 100%. Ah mais du coup, avec un ingénieur à 100%, il peut contrer l'event des imposteurs, donc ce serait pas mieux de mettre deux impôts. Non. Ouais. Puis si on a deux impôts, ça veut dire qu'il y a 5 romains, ça va vite. Théo, est-ce que tu peux mute ton clavier? Mais juste ton clavier, s'il te plaît. Oh là! Je suis toujours pas un pot, c'est bien! Hein. J'ai reporté le corps de Krios. Il est entre. Oh, il y a quelqu'un qui souffle tellement dans son micro qu'il y a un ouragan! Vas-y, Xenoja, pardon. Le corps est dans le. À gauche du Y, là. Enfin, dans le. Entre vestiaire et radio. Oui, oui, tu peux voter. Au niveau du. Pourquoi au moi? Au niveau du. Oui! Au niveau de l'aiguille électrique. Pourquoi moi? Parce que ça fait 5 minutes que je suis à Crixo. Et c'est tout juste ça. Donc ça peut oui. Pas être Xeno qui a kill et qui a report. En 3 frags en 10 secondes, non? Ah, donc on se base sur ces métas là, d'accord. Oui. Bon. Bon. Moi je skip, on est 4, je prends pas le risque. Parce que là, à mon avis, il y en a Xeno, pas. Vote Mika. Je vous rappelle que les veines se connectent, y'en a un de vous deux qui se fout de la gueule de l'autre. Jure. C'est alors ta... que je l'avais en visu toute la game. Xeno, stop. Skip. Stop. Non, déjà, Xeno, vote Mika, Xeno, vote déjà, Mika. Xeno au niveau 82, Mika au niveau 76, donc logiquement, ça serait Xeno qui est plus capable de faire triple frag, oui. Mais pas Mika. Et de Xeno, deux, Mika a diverses phrases. On skip ne pas. Vous, enfin, Xeno, vote Mika, Xeno, vote Mika. Il est imposteur. Il a dit on skip à 4. Voilà, il a dit merci. On skip à 4. Bon, tant pis. Déjà, ouf.
L'autre il fracasse tout le monde alors que je suis à Crixos, c'est un malade. C'est un malade. C'est un malade. Laisse les gens s'amuser là. Moi j'aime bien Mira moi. Ah ouais. T'aimes bien Mira, je suis à Crixos et Xeno qui reporte. Au revoir. Non mais il a dit. On prend pas de risque de voter la case. Paulus. Paulus. Ok. Paulus. Airship. Une map. Airship. Une map. Merci. Le manoir. Mauvais jeu. Sur quel map, imposteur en vrai pour avoir deux fois plus de chances d'être imposteur. Ah, on est revenu sur cette map. Bonne forcément. J'ai l'impression qu'on a voyagé, tu sais. On a fait un arrêt et maintenant on revient sur Paulus. Ah, il neige, on dirait chez moi. Oh, c'est trop intelligent ça. Oh la vache. Bah, du coup, on en revient à la technique de Mika ou pas? C'est Xeno toujours? Oui, mais il est mort, Mika. Du coup, c'est Xeno, c'est fou ça. Du coup, c'est Vincent. Ouais, ça va être moi, ouais. Non, je suis niveau 47, ça peut être moi. Alors, je vais expliquer vite fait. Avec câble au niveau des lecs. J'ai jeté un Ayukam. Et j'ai vu le cadavre de Krios près de labo. Je suis allé voir et je me suis rendu compte que après avoir report, qu'effectivement il y avait deux morts de plus en fait. Ça c'est fou ça. Sur les derniers instants, vous étiez où là, s'il vous plaît? Elec. Petit biscuit, était du coup t'es à report où exactement? Près de labo. Ok. Parce qu'au fait, j'étais Vitals avec Lurixo et Vincent. Je suis allé admin, regarder les pauses. Et Vincent et Lurixo ils sont partis ensemble. Je te jure. La fin, moi. Je précise une chose, j'ai regardé au cam. Le temps que j'aille des cam jusqu'au cadavre de Krios, je sais que juste avant le départ, il y avait Vincent qui se trouvait au niveau des Vitals. Tu l'as, tu l'as vu aux caméras, le corps J'ai vu le corps de Krios au cam. D'accord. J'ai vu Vincent au niveau des Vitals après le moment. Non, mais j'étais là. Après, ça ne me semble pas forcément, mais je sais qu'il était là à ce moment-là. Tu veux tout savoir, tu m'as vu niveau des Vitals, et le troisième mort venait de mourir au moment où t'as reporté. Ouais, c'est pas un argument ça, Vincent. Ah non, je dis juste le fait, moi. Rixo est mort au moment où Tibiscu a reporté. Ouais. Bon bah on est mort, hein. Ouais, je pense, hein. Skipper au pire. Allez, avec 3 kills là, en avant, c'est un peu suicidaire. Hein. Ouais, c'est ça quoi. C'est pas un peu la technique de Mika ou du round d'avant là? Non. Tu jures? Tu veux pas skipper? Moi j'ai voté Vincent, mais. Ah ouais? Oh là là.
Vu les capacités, j'aurais tendance à suspecter Tilks, qui est très compétent, c'est bien un inspecteur qu'un tueur, donc... Non, mais Vincent est bon aussi. Non, non, moi je suis fatigué, là. Ça va voter Vincent. Deux très bons contre deux très nuls. Ça fait, c'est vraiment les... le pire cas de figure. On a un taux de survie qui est très faible, Zimski. Au moins, c'est pas moi. Attends, 50-50. Quelqu'un une pièce pour un pile ou face. Qui vote Vincent. Je pense que c'est vraiment lui. Moi j'ai, Moi j'ai fait le pile au face et le pile au face il m'a dit que c'était Tibiscuit. Tu préfères faire confiance à un policier ou à un ange? Je dirais que les deux vont à la poubelle personnellement. Alors Lucifer était un ange à la base. Oui. C'est vrai. Et si vous avez regardé la série Lucifer au final, c'est ça, bon gars. Oui, mais pas d'après la Bible. Je confirme Vincent. Le joueur belge, sous pression, va-t-il prendre sa décision? Prendre une décision, c'est lui. Pour je verrai bien si je me suis foiré, quoi. Soit tu sors, soit je te sors. Une pièce? Je voulais faire une blague, mais... J'ai lancé la pièce... Pour que je puisse picoler, la pièce est tombée sur Pile. Et Pile, c'est qui? C'est l'imposteur? Pile, c'était Xeno, et Fa, c'était Tibiscuit. Abstil. Déjà, le D est après le S. Asdil. Si t'arrives à dire mon pseudo, franchement, je dis à Tibis qu'une mauvaise. Asdil. Non. Vas-y, t'as 30 secondes encore. Asdil. Non. Tu veux dire. Asdil. Non. Bon, Tibis qu'une. Oh, mais quelle idée. Ouais, oui, franchement, bien joué. Qu'est-ce qu'il est en train de manger? Oh merde! Quoi? C'est pas lui? Ensuite, qu'on donne un Oscar à cet homme! Oh, bon, je suis fatigué! Attends, je vais buzzer. Viens, c'est bon, je buzz. Carton. Ah non, je peux pas buzzer. Vas-y, buzz, ouais, t'as raison. Oh, je suis fatigué, pauvre de moi. Je ne peux pas avoir fait tout cela. Ce n'est pas dans mes forces. Ouh, bou, bou, bou. Ah, bordel. Je suis niveau 47. Ouais, après avoir remis mon compte à zéro. Non, non, c'est juste que j'ai pas joué depuis un an. Je n'ai pas joué depuis un an. Ah, vous avez remis le light, c'est bien. Quel connard. Bah oui, putain. Bah voilà. Oh là là, bravo les copains, vous avez remis les choses là. Ah cool, les lives, je vais pouvoir plus facilement tuer. Oh pardon. Oh ouais, toi t'es pressé. Oh Prince PQ, on est 8, on peut mettre 2 impôts. Salut. Voilà. Augmente le cooldown. T'y vas Krios? Ouais, je vais y aller. Oh, une petite para de Krios. Est-ce que c'est vraiment après qui qu'on parle? Viens. Une petite para de Krios. Ah, merci Krios. Bah, parce non, que il a dit oui. Je vais pas tarder à arrêter non plus. Je vais pas la faire trop tard ce soir non plus. Je pense que ce sera malaste aussi. Je vous laisserai la room pour vous ça jouer sera aussi. La dernière. Je me tue pas quand je suis avec en train de faire mes tartines, voyons. Ah, faut pas manger à 22h30, mon cher Krios. Oui, c'est très bien, manger à 22h30. Mais est-ce que c'est bien presque tu qui parle ou... Hein? Pourquoi on parle de moi là? C'est compliqué. Moi, non, c'est pour savoir si... C'est pour troller par rapport au... T'es un imposteur. Vu que je suis con, je suis perdu. Donc, comme ça. C'est qui le génie qui a pris Shotlight? Arrête de te jeter des fleurs. T'es insupportable. Il est light. Une demi-seconde. Ok. Putain. Aïe 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 aïe. Prince PQ. Qui c'est que je dois massacrer là? Bon bah j'ai me couché tout de suite. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit, Xeno. Salut. Pourquoi vous votez Prince PQ tout de suite? Tu l'as vu faire le kill? Je sais pas, parce que Tiggs l'a dit, il a un costume, du coup je le crois. Vincent, Mika, Xeno, Prince PQ. Et moi, on est descendu à 3, Mika, Vincent, moi. Je suis pas descendu, je suis parti. Bah oui, justement, t'es resté en haut et le corps il est en haut. Non, je suis descendu weapon. Hein? Hein?
Ouais, ça, enfin, c'est pas possible. Le corps est en haut à Elec, donc Ouais, bah moi j'ai rien à voir là-dedans. Petit biscuit, t'es où? J'étais au niveau de labo. Kryos, t'es où? Je suis au labo, Erikso était avec moi à ce moment-là. Ok, votez Prince PQ. Ah, je vous dis clairement, si vous voulez pas prendre de risque, votez Skip, parce que je pense qu'il y a déjà 3 votes là sur Prince PQ. Jure? Nika, tu défends Prince PQ? Non, moi je dis s'ils veulent, parce que moi j'ai voté Prince PQ. Mais son teammate alors qu'il est tout seul? T'es le deuxième imposteur? Attends, il y a un ou deux impôts? Non, il y a deux impôts là. Il y a deux d'un. Ah ouais, ok, ah, j'ai voté pour. J'ai voté Xenon, dans le doute. Ouais, j'ai voté Prince PQ aussi, hein. Je dis juste ceux qui veulent prendre de risques. Moi, je suis Steve, puisqu'il l'a vu. Mais moi, je l'ai pas vu. Ouais, je pensais qu'il y avait qu'un impôt. Hein. Non, il y en a deux, puisqu'on était 8. Oh non. T'as vu comment je te suis? Bien ouais. Moi j'ai un doute sur quelqu'un là, qui était pas très loin de Rixo. Ça fait 30 secondes facile, voire 40 que je cherche le corps de Tilix. Ah ouais, oui, t'as cherché le... Du coup t'as cherché où? Alors il est pas à Wapon, il est pas à O2, il est pas Elec, enfin j'ai pas un gardien de sécurité, il est pas à Cargo, il est pas à Labo. Mm-hmm. J'étais en train d'aller à Spécimen mais j'ai pas eu le temps d'aller voir. C'est pas toi Spécimen? Là j'ai un qui est... vraiment. Alors, et moi en spécimen, il y avait rien. Ok, bah vote MK. Bah pourquoi? C'est toi qui buzz et qui cache les corps, frérot. Attends. Oui, oui, Tilk c'est mort, Rixo. Ah bah tu veux. On sait même pas où sont les cadavres. On sait même pas où sont les cadavres et tu buzz. Alors, toute la game, je l'ai fait avec Rixo, quasiment. Je l'ai laissé aux deux, sachant que Michael, de son prénom Mika, Monkey dit Mika, était Elec. Je vais table admin, je vois un mec spécimen, sachant que Rixo va voir spécimen, je buzz parce qu'il y a deux morts, et bizarrement, Rixo est mort. Donc s'il y a deux personnes à droite innocentes, et qu'un kill sur à gauche et que t'es tout seul, ça peut être que toi. Ouais mais toi t'es pas safe, tu buzz alors qu'on... Ah bisous. Bah si, parce que la première game ça pouvait pas être moi. Allez, salut. Bah y'a avec un kill, comment ça peut pas être toi? Y'a bah, deux impôts, y'a qu'un seul kill. Y'a rien qui t'aime. Parce que j'ai suivi Tilk sur premier. C'est trop c'était... facile ça, tu buzz, on sait poser les cadavres, c'est moi parce que y'en a deux. C'est bah si, y'en a un à gauche. Y'en a un à gauche et Kryos a vu un mec mort il y a 30 secondes à peu près. Et vu qu'il était pas à gauche, ça peut pas être moi étant donné que j'ai fait toute ma game à gauche. 30 secondes facile. Ouais. Bon, moi j'ai voté Vox. J'ai pas regardé admin, peut-être qu'il était admin. C'est Biscuit, vote Mika. Merci. Ok. Bon, tant pis. J'ai pas d'explication. Non, mais t'as bien fait. Les joueurs. Mon buzz, frérot, mon buzz. Je te cherchais. Oh, bah je savais que tu me cherchais. Il était mort où, Tilix? Caméra. Bah, au cam. Ah ouais? C'est l'endroit où j'ai pas regardé ça. Putain de merde, pareil. Par contre, vous dites, ouais, il y a aucun kill à gauche, j'en sens y était, les deux étaient à gauche.
Non, non, mais parce que moi j'ai fait vite fait le chemin à gauche, je l'ai pas vu tilt. Bah allez, moi je vais vous laisser là. C'est parce que j'ai mis les lights, c'est parce que j'ai mis les lights quand t'es remonté pour éviter que t'ailles à gauche. Quand on remonte tous les deux, je mets les lights pour que t'ailles les faire pour pas que t'ailles à gauche voir le corps et je me dis j'attends que tu ailles dans le cam, mais le problème c'est que je me dis non, on ne va pas dans le cam parce que je vois que Xeno t'a protégé. Oh donc... mais de toute façon t'auras pas. T'auras pas dû tuer Rixo en fait. Ouais, j'arrête aussi. Ouais, okay. Pareil. Bonne soirée. Bisous tout le monde, merci pour le live. Oh, on va aller raid quelqu'un, les copains. Hop, petite soirée tranquille et calme. Je suis très fatigué ce soir, dis donc. On va aller voir qui raid. Qui est en live des copains streamers? Non. Hop. Là, ça sera plus simple. Hop. Je lève le... Voilà, je vais vous envoyer chez Diabla et je vais régler mon problème de la commune. Je vous souhaite des gros bisous. Au revoir tout le monde. À demain pour Goose Goose Duck.